Esper Luette. Esper Luette. Esper Luette. Bienvenue, je suis Myriam Mendy, professeure de Kundalini Yoga, et régulièrement je vous donne rendez-vous en terre intérieure. Cet espace au centre de vous-même, où il est bon de se retrouver loin des turbulences de votre mental. Ces méditations guidées sont disponibles sur Esper Luette ou sur le site enterreintérieur.fr. Ce mois-ci, je vous propose un moment de lâcher prise, de relâchement complet en travaillant sur le contact avec le sol. En effet, pour que le corps se dépose, il doit sentir sous lui qu'il peut s'appuyer, que cela sera suffisamment dur pour le soutenir. Plus la matière contre laquelle nous sommes allongés est dense et solide, plus nous pouvons laisser couler nos muscles, nos organes, nos os. Lâcher prise, c'est avoir confiance que si on se relâche, tout ne se dérobera pas sous nous. Installez-vous confortablement sur un tapis, allongé dans des habits qui ne vous servent pas, et laissez-vous guider. Vous êtes allongé, la tête bien posée sur le sol. Les jambes et les bras légèrement écartés de votre corps, les pieds retombant de part et d'autre vers l'extérieur. Paume de main tournée vers le ciel. Fermez vos yeux. Et commencez à doucement vous reconnecter avec votre respiration. Inspirez et expirez uniquement par le nez. Ressentez l'air qui passe dans votre nez et remplit vos poumons à l'inspire. Et à l'expire, observez le flux de l'air qui ressort de vos narines. Détendez votre ventre, relâchez vos épaules. Sentez votre cage thoracique se soulever sous les mouvements des poumons qui s'expansent. Et relâchez complètement votre buste en allongeant votre expiration. Continuez ce va-et-vient lent et fluide. Gonflez le ventre, poitrine, épaules à l'inspire. Et à l'expire, relâchez vos épaules au sol, votre dos, jusqu'au bas de vos lombaires. Sur chaque expire, détendez un peu plus votre corps. Relâchez les tensions, dénouez les nœuds et sentez qu'en se détendant, votre corps s'étale, qu'il devient de plus en plus lourd. À la prochaine expire, vous sentez tout votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Lâchez vos muscles, vos articulations. Sentez-les se décontracter sous la gravité. Sentez que vous êtes irrésistiblement attiré par la terre. La pesanteur gagne tous les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez l'arrière de votre tête s'enfoncer de plus en plus dans votre tapis. Vous laissez tomber le cerveau au fond de la boîte crânienne. Il plonge vers la gravité
et vous lâchez le mental. Lâchez les tensions, les pressions. Lâchez tout. Respirez. Sentez vos épaules qui se relâchent aussi. Et vertèbre après vertèbre, votre colonne se dépose complètement sur le sol jusqu'au bas de vos fesses. Vos bras, vos mains se détendent complètement. Il n'y a plus de résistance. Vous abandonnez à la terre tout ce qui vous reste, vos tensions, vos douleurs, vos fardeaux. Respirez lentement et profondément à partir du ventre. Et sur chaque expire, détendez un peu plus l'abdomen pour libérer dans le sol tout ce qui vous encombre à l'intérieur. Les soucis, les peurs, les colères, la tristesse. Puis sentez vos talons en contact avec la terre, sentez-les s'enfoncer, attirés par la gravité. Il ne s'agit plus d'avancer, juste s'abandonner dans l'immobilité la plus totale. Laissez-vous complètement aller. La terre vous porte, vous soutient. Vous n'avez plus rien à faire qu'à lâcher prise et de vous en remettre entièrement, totalement à elle. Vous vous confiez, sans retenue. Puis vous allez prendre une grande inspire pour sortir de cette relaxation. Tout en gardant vos yeux fermés, commencez doucement à bouger les extrémités de votre corps, vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, étirez vos pieds. Puis doucement, rouvrez vos yeux pour reprendre contact avec ce qui vous entoure. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et si vous voulez en savoir plus sur le Kundalini Yoga, ses techniques, sa philosophie, retrouvez Rendez-vous en Terre Intérieure sur Facebook ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous, cultivez votre sérénité, comme la fleur la plus précieuse à faire pousser sur vos terres. Esther Luette.